Entends-tu le chant joyeux? Jésus s'en va aujourd'hui. Il est en tout lieu. Jésus s'en va aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sort aujourd'hui. Levons-nous, nous allons lire un psaume, s'il vous plaît. Psaume chapitre 1er, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 1er, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Je connais un Dieu puissant qui relève tout défi. Peu m'importe si le mal surgit, l'Éternel est en le camp. L'Éternel est dans le temps, l'Éternel est dans le temps. Moi je garde confiance, l'Éternel est là. Tendre Père et précieux Sauveur, que ton nom soit béni encore ce soir. Qu'il soit vraiment glorifié et nous sommes heureux d'être de retour dans ta maison à toi, de pouvoir t'élouer, t'exalter, Père Tout-Puissant Dieu, chanter les chants de Sion pour ta gloire. Nous sommes heureux, Père Saint-Dieu, pour tous ces bienfaits que tu nous as vraiment manifestés, témoignés, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, jusqu'à ces jours, nos cœurs sont tellement reconnaissants. Et dans la joie, mon bien-aimé Père Saint, nous en sentons encore le bienfait. Aujourd'hui encore, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, notre cœur et notre âme, transportés, Père Tout-Puissant, dans l'allégresse de savoir que tu es toujours le même Dieu. Merci vraiment encore pour cette nouvelle année dans laquelle tu nous as vraiment introduit, Père Saint-Dieu. Et nous en sommes vraiment reconnaissants. Te remercions pour tout, Père. Lorsque nous pouvons voir nos frères et nos sœurs aussi, avec lesquels, Père Tout-Puissant, nous avons eu à pouvoir marcher l'année passée, Seigneur, et nous avons traversé, que nous sommes ensemble encore aujourd'hui, et de retrouver aussi nos enfants, nos petits-enfants aussi, Père Saint-Dieu, ces enfants qui te chantent tout le temps, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que tes bénédictions reposent sur eux, leurs parents aussi, mon bien-aimé Père. Merci aussi pour la chorale, mon roi, avec autant d'énergie, autant d'amour, Père Tout-Puissant, autant de zèle. C'est un bonheur, Père Saint-Dieu, de voir ce que tu fais et ton peuple aussi ce matin, parce que ce soir, mon Père Tout-Puissant-Dieu, avec un cœur plein de joie, chantant les chants des Sion pour ta gloire, élevant sa voix pour toi, Seigneur. Quel autre aurais-je au ciel que toi? Sous la terre, nous prendrons plaisir en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Notre âme se résume en toi pour te bienfaire, Seigneur. Oh Dieu, soutiens-nous pour les décisions que nous avons prises, Seigneur. Nous voulons vraiment être à toi. Merci pour les témoignages que nous avons entendus, Père Dieu, pour toutes les délivrances, les guérisons, toutes les baptêmes du Saint-Esprit que tu as accordé, Seigneur. Tu as fait de merveilles pour nous, Père. Demeure encore davantage. Sois béni pour cela, Père.
Bénis chaque frère et chaque sœur. Nous sommes heureux de nous voir encore cette année, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas manquer ces jours, mon soir, parce que nous savons combien c'est important pour nous de pouvoir être dans ta présence à toi, mon béni, Patrice Saint, commencer à marcher avec toi encore davantage. Oh, c'est une joie de voir même les petits enfants qui étaient passés, Seigneur, te chanter, qu'ils soient bénis, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, car nous t'avons ainsi prié pour les psaumes et pour tous les cantiques, mon béni, Père Saint-Dieu, et pour tous nos frères et sœurs qui sont dans différents endroits, différents pays, mon béni, Père Saint, dans ces jours qui sont aussi béni, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Nous sommes heureux de pouvoir encore nous retrouver cette année-ci. Ah, nous sommes dans la joie. Moi, je suis dans la joie de pouvoir vous revoir. C'est merveilleux, hein? Ah, il a fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ça nous a réveillé encore davantage. Cet amour pour mon frère, cet amour pour ma soeur. La joie de pouvoir se retrouver. Asseyez-vous, pardon. Et la joie de pouvoir se retrouver. Et que Dieu bénisse notre frère Thomas. Vous l'avez remarqué, il aime beaucoup chanter. Hein? Thomas, c'est comme ça. C'est lui qui conduisait les chants aussi là-bas en Espagne. Et j'aime beaucoup les cantiques en espagnol. Et ce qu'il avait chanté l'enfant passé, ce qu'il a chanté aussi aujourd'hui aussi, c'est merveilleux de pouvoir que Dieu le bénisse. Je crois que c'est demain qu'il va prendre le chemin pour retourner en Espagne là-bas, chez lui aussi. Nous prions que le Seigneur nous aide encore, que nous puissions avoir des moments ensemble pour pouvoir nous retrouver. Je crois entendre, mon frère Vincenzo, que Dieu te bénisse. Content de te voir, évidemment, aussi. J'aimerais bien qu'après la réunion, tu viennes ici pouvoir prier pour aussi pour les frères. Que Dieu te bénisse richement. Je suis vraiment très content. Nous l'aimons beaucoup. Hein. Et malgré qu'il est là-bas, son cœur est toujours... c'est ça. Non, que Dieu te bénisse. Que tu fortifies pour tout ce que tu fais. Ça nous touche beaucoup. Hein. Il ne parle pas beaucoup, hein. Mais il est vraiment un bon frère. Hein. Il est doux. Voyez-vous tout ce qui est. Mais j'ai prié beaucoup pour lui. Que le Seigneur les fortifie. Nous l'aimons, non? Ah, mon frère Vincenzo, que Dieu te fortifie, qu'il te soutienne pour ce que tu fais. Vraiment, et aussi la persévérance et des vraies femmes pour ta femme et pour tes enfants. Oui, tout le monde ici reconnaît cela. Vraiment, sois fortifié pour cela, que Dieu te récompense. Et pour notre sœur Rebecca aussi, que Dieu la bénisse. Nous l'aimons tellement. Et malgré tout ce qui peut passer, il chantera toujours les cantiques pour Dieu. Ah. Cette famille est particulière. C'est pour ça, à genoux, nous combattrons pour eux. Nous savons que Dieu a déjà fait. Oui, c'est fini, c'est que Dieu a déjà fait. Alors, il est chanté son cantique là, avec des amis. Ah, non, que Dieu la bénisse. Amen. Ouais, c'est que Dieu bénisse vraiment la famille et puis les enfants aussi et tous ceux qui, et nous sommes heureux. Ah, c'est, et comme c'est quand il est un beau matin, quand tout sera fini. Nous partirons ensemble, frère. C'est ma prière, c'est mon désir pour aller le voir, le rencontrer et dans cette cité là où l'agneau et la lumière. Oui, nous atteindrons donc le but. C'est pour ça que sur la terre, nous nous rassemblons effectivement aussi et qu'avec l'aide du Seigneur, nous persévérons et il nous a introduits dans cette année. Il nous a vraiment visités, nos cœurs sont bien. Oui, c'est cette grâce et ce privilège. J'ai entendu beaucoup de témoignages. Vous savez que ce qui était connecté aussi à ici, j'ai aussi reçu... J'appelle aussi que les frères me disent, mais nous étions là, c'est la première fois avec ma famille, nous sommes rassemblés parce que c'était la gauche et la droite, puis nous sommes rassemblés une fois, il dit, on va suivre. Il dit, la puissance de Dieu est descendue sur nous. C'était tellement puissant que nous sommes restés à genoux, un peu prier, mais pendant 30 minutes sans se rendre compte. Oui, ce que Dieu a fait ici, tous ceux qui étaient aussi en communion avec nous dans différents endroits ont reçu aussi la bénédiction. Ne prenez pas la légère. Oui, parce que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et nous devons porter cela dans notre cœur, dans notre vie. Et c'est cette flamme, et ça va davantage encore s'attiser aussi de plus en plus. Et avec ce désir profond dans notre cœur, dit Seigneur, jamais plus les choses seront pareilles. Nous t'implorons la grâce de nous aider que ça soit plus pareil. Maintenant là, nous devons maintenant revenir à pouvoir chercher ta face encore davantage pour que tu sois pleinement en nous.
Nous tendons à ce qui est parfait. Laissons derrière nous, effectivement, les choses du passé. Nous tournons nos regards vers celui qui est au-devant de nous. Et nous savons que nous n'allons plus porter le fardeau dans notre cœur. Tous nos problèmes, tous nos soucis, tout notre cas, il a dit qu'il a déjà résolu à ces problèmes. Alors, il ne faut pas qu'on soit dans la maison du Seigneur comme des gens qui sont tristes. On n'en a pas besoin. Pourquoi ton cœur serait triste? Pourquoi il le serait? Ce cœur serait triste, effectivement, s'il ne vivait pas. Mais puisqu'il vit. Parce que je clame, parce que moi, peu importe les tonnes ou les tonnes de problèmes qui peuvent surgir, qui peuvent être là sur moi, en tout cas, je ne tiens même plus compte de ces tonnes de problèmes. C'est parce que si tu veux rester dans ce problème, les problèmes resteront. Et si les problèmes ont trouvé la solution pour moi, alors je ne me fais pas du souci. Mon désir, mon seul désir, c'est mon désir, être comme Jésus. Allez, vous connaissez le... Nous avons ce désir, que ce soit un désir profond dans notre cœur. Nous voulons le remercier vraiment parce que nous voyons qu'il travaille. Beaucoup de choses ont à pouvoir effectivement aussi quitter. C'est-à-dire que je ne me fais plus de soucis. Que, genre, je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'est ce que je veux aussi que vous arriviez à cela. Il ne faut plus vous tracasser, même si quelqu'un ne vous regarde pas. Cette année-ci, prenez une décision. N'attendez pas que cette personne dise de bien de vous. Non. Moi, maintenant, mes pensées et mes désirs, c'est simplement que je le regarde. Amen. Que lui-même me dise, parce que le Seigneur peut te parler dans le songe. Il te parle par la parole. Donc ne te tracasse pas de ce que l'autre pense de toi. C'est ça ton frein à toi. Mais toi, tracasse-toi de ce que le Seigneur pense de toi et de ce que toi, tu penses des autres. Ce que toi, tu dois penser des autres, c'est ce que le Seigneur veut que tu puisses penser des autres. Alors, nous aimons beaucoup cette écriture. Vous vous souvenez? C'était l'année passée, nous avons cette façon de pouvoir voir, hein, n'est-ce pas, Jésus? Quand tout semble net, il fait comme ça. Amen, amen. Vous vous souvenez? Ah, là, ça c'est bien. Au reste, hein? C'est tout ce que moi j'ai besoin. Il nous faut cela. Nous en avons besoin. Car rien ne puisse venir faire ombrage sur ce que le Seigneur a fait pour nous. N'oubliez pas sa main puissante qui t'a touché. Ne doute pas de cela. Parce que quand tu doutes, tu poses la question, est-ce qu'il a fait, est-ce que c'était lui? Ça c'est très mauvais. C'est lui, parce que nous n'avons pas invoqué quelqu'un d'autre. Donc c'était lui. Puisqu'il a fait, s'il a fait aussi aux autres, donc tu dois être sûr et certain que toutes ces habitudes-là de pouvoir toujours, bon, sinon, il faut que tu dises en tout cas, Seigneur, aide-moi. C'est vrai qu'on prend des décisions, c'est bon, on dit, bon, après un mois, deux mois, ça change, mais maintenant, cette fois-ci, je dois m'accrocher à cela. Moi, depuis que le Seigneur m'avait repris, je vous le répète encore, vous le savez, hein, ce que je vais répéter, hein. Eh ben, depuis, ça fait combien? Mille. Donc, c'est comme si, pour moi, tout, c'est comme si c'était hier. Que, là, il m'avait vraiment, moi, repris, hein. Ça, c'est très grave. Qui est nul en son cœur, ne pense du mal contre, dit toujours la vérité. Mon cœur a été scellé ces jours-là. Maintenant, j'ai dit, c'est tout le temps comme ça avec moi. Je te regarde, tu fais... Je ne veux pas souiller mon âme. Je veux rester vraiment toujours positif dans sa présence, effectivement. Je le veux, comme vous le voulez aussi. Et c'est dans ces conditions-là qu'il va être avec nous. C'est comme ça qu'il va nous parler. C'est comme ça qu'on voit que dans le combat, même dans le sommeil, effectivement, quand les démons viennent, tu as la force.
Ouais. Nous sommes combattus, mais jamais vaincus. Restons dans cette victoire, parce qu'il va venir nous désarçonner pour que nous sortions là-dedans. Ta victoire à toi, elle doit demeurer. Ah, c'est bon de vous avoir. Ah, mais vous avez prié, nous avons prié, la force nous a été donnée, non? Nous sommes heureux. Il disait, je crois que j'ai eu, je crois que c'était soit Gloria, ou je ne sais pas qu'ils en ont dit, mais j'ai d'autres encore, je ne sais pas, plus besoin de dire, si on pouvait continuer encore des réunions, parce que c'est mon bébé, si on pouvait continuer, mon bébé qui dit, on se réveille, et puis je me dis, mais on va encore à l'église, on va encore à l'église. Alors tout le monde, il dit, Seigneur, c'était bon, hein, d'avoir tout ce moment-là comme ça, avec nos frères et sœurs. Oui, maintenant on comprend. Comment tous ces frères-là qui nous ont précédés pouvaient tenir. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Et le Seigneur les fortifie encore davantage. Nous, on doit revenir à cela. Que le Seigneur ajoutait aussi chaque jour à l'Église ceux qui étaient donc sauvés. Que nos sentiments soient renouvelés à l'endroit du Seigneur d'abord et aussi à l'endroit des uns comme des autres. Que nous prions aussi pour la chorale. Vous connaissez mon cœur pour la chorale. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs de la chorale. Je suis heureux parce qu'il y en a encore d'autres qui viennent en fait pour pouvoir s'ajouter à la chorale. Ça c'est... Oui, vous en avez encore d'autres. Je crois qu'il n'est pas ce soir, mais Kyria. Ah, Kyria avec beaucoup de joie. Ouais, c'est merveilleux de pouvoir voir cela aussi. Et comme j'ai toujours dit, j'aime beaucoup la chorale parce que j'ai toujours aimé chanter. Comme moi, je suis avec les instruments, mais ils sont là. Alors, ça, c'est merveilleux. Et puis dans l'adoration, l'amour du Seigneur, chanter du « Ah oui, que Dieu vous bénisse richement. » Vous savez, c'était dimanche, je pense. Vous avez chanté votre spécial, j'étais assis là. J'ai dit, vraiment, ces enfants, ils savent vraiment toucher là, ils vont toucher. Vraiment, vraiment. Vous n'avez pas remarqué. Mais non. What is Mary? Chacun de vous tous. Mais je crois que c'était. Non, vous avez chanté tout un certain âge. Une manière perfectement. J'étais tellement là, j'ai dit, Seigneur, c'est vraiment la bénédiction ce que tu as fait pour nous. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas ce que je peux vous offrir comme cadeau. La sœur Béline n'est pas ici. Mets-toi un peu de bouc, je te vois. Aide-moi, chef coq. Fais-moi quelque chose. Que je sois avec eux. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux vous offrir et prier pour vous? Que Dieu vous bénisse. Vous faites quelque chose de tout à fait particulier, extraordinaire. C'est pourquoi ne soyez influencés par personne. Vous avez une tâche particulière. Vous serez vraiment récompensés. Et on sent, on voit Gaël et Isaac. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse richement. Je ne peux pas oublier les instrumentalistes parce que si vous n'êtes pas là, ça ne s'accorde pas. Aïe. C'est comme si c'est déjà le jour où je dois remercier. Bon. C'est l'élan de cœur. Bon, nous allons lire dans les Saintes Écritures, hein, que Dieu vous bénisse. Alors, nous prenons dans 1 Jean. Jean, chapitre 2. Donc, 1 Jean, donc après 2 Pierre. Vous avez donc 1 Jean au chapitre 2. Et, nous lisons donc à partir du verset 24. Chapitre 2, verset 24. Il nous dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, donc, c'est la vie éternelle. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur,
Ce soir encore, nous voulons te dire merci pour cet amour merveilleux que tu as déversé dans nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour toi et aussi pour ton peuple, Père Dieu. L'allégresse dans notre cœur de voir ton peuple à toi. Et encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, s'éteignant dans ces lieux et chantant des chants de Sion, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mon âme t'exalte, mon roi, pour ta bonté, Seigneur, oh Dieu. Tu es merveilleux pour chacun de nos pères. Merci encore pour cette parole que nous venons de lire. Merci beaucoup aussi pour les psaumes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que tu as permis que nous puissions entendre encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Et c'est vrai, ça nous concerne, ça nous touche encore, que ça nous ramène, ça nous rappelle encore ce que nous devons être pour toi, ce que nous devons faire. Sois béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénit, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours aussi le désir du Seigneur, et cela, ce désir aussi a été aussi saisi aussi, compris aussi par ses serviteurs, effectivement, des vases, comme Jean ici, comme il l'écrit aussi. Vous voyez l'élan de cœur de cet homme qui réellement réalise ce que Dieu a dans son cœur pour son peuple, et qu'il veut réellement aussi que le peuple de Dieu puisse arriver à pouvoir avoir ce qui est comme dépôt, effectivement, dans son cœur, dans son âme, effectivement, pour qu'il puisse conserver et garder, effectivement, ce que Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir avoir. C'est pour que nous ne puissions pas être distraits d'une certaine manière ou d'une autre, parce qu'ils savent effectivement que il y a toujours un adversaire effectivement qui est là. Parce que si nous regardons dans cette écriture effectivement que nous avons lu dans 1 Jean au chapitre 2, nous avons lu le verset 24. Si nous prenons en fait le verset pendant 18, comme ça nous allons aussi voir clairement, on peut comprendre effectivement ce qui l'année aussi. Il dit ici verset 18, il nous dit: petits enfants, c'est là, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, voilà effectivement aussi, comme le Saint-Esprit a eu à pouvoir conduire pour que cela soit mis par écrit ainsi, parce qu'il nous il montre qu'effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est glissé, effectivement, c'est qu'il y a, quand on parle d'antichrist, effectivement, c'est celui qui est contre la parole de Dieu. Donc c'est celui-là, puisque vous êtes pour la parole, mais lui, il est contre la parole, alors il va réellement aussi vous combattre, effectivement. Et ce qu'il cherchera, c'est de pouvoir, effectivement, aussi vous faire sortir, effectivement, de l'endroit que Dieu veut vous placer, effectivement. C'est ça, le combat. Je vais juste vous rendre un petit témoignage aussi, effectivement, parce que, bon, le temps fait le vite, de ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, effectivement. C'est bon, parce que, bon, je suis content. J'ai traversé des moments tellement difficiles, mais les combats que j'ai vécu étaient tellement terribles. J'ai pu voir des démons, j'ai pu voir, effectivement, un truc. Et puis, j'avais un problème. Ce que Satan avait une telle arme contre moi à l'époque, effectivement, mais il m'injectait de pensées, vous ne pouvez pas vous imaginer, comme j'avais toujours eu à pouvoir le dire, effectivement, que si quelqu'un pouvait devenir un anti-parole, un anti-croyant, un anti-non, donc qu'on pourrait combattre la parole de Dieu, bien, ça pouvait m'arriver. Il était acharné, mais alors là, il m'injectait de pensées, mais des pensées que Dieu ne peut plus avoir, ceci, cela. Et puis, ce sont des pensées que quand ça vient sur vous, et ça comme une sorte de vous convaincre de quelque chose. Mais c'était tellement si fort, et tous les jours, j'essayais de pouvoir me battre, et ça n'allait pas, ça. C'était tout le temps. Et alors, à ce moment-là, vous savez, qu'est-ce que je faisais? Parce que je ne m'en sortais pas, c'était terrible, effectivement. J'aimais Dieu, mais c'était quelque chose qui me repoussait, il te pardonnera jamais, et ceci et cela. C'était tellement si fort. Et je jeûnais. Je gênais pendant une semaine, pleurant, soupirant après Dieu. Et puis, je sortais d'un jeûne. Un jour, je pendant le pays. Après 3 jours encore, je rentrais encore. Les jeûnes et prières sont vraiment importants pour le croyant. Il ne faut jamais négliger ça. C'est ça qui te met encore, te sanctifie encore davantage. Et puis, bon, vous sentez encore plus près de Dieu encore davantage. Je ne faisais que gêner, je ne faisais que prier. J'allais aux études, effectivement, à l'UNIF, j'étais retourné, effectivement. Les gens ne voyaient pas, mais j'étais dans un combat terrible.
les démons, c'est déchaîné. Quand même, j'ai dormi effectivement et tout ça, et je me levais. C'était terrible en fait. Alors je priais, je gênais, je prenais la grâce du Seigneur. J'ai toujours les pensées contraires à la parole de Dieu. De dire que tu dis, bon, tu n'existes pas, ils vont tellement si loin dans le pensée du monde, effectivement, pas des choses, ça n'est toujours dans un domaine un peu spirituel, mais on veut te lier, en fait, pour t'amener à ne plus croire à la parole de Dieu. Quand Dieu a posé sa main sur vous, vous a donné quelque chose, le diable se bat toujours pour vous faire sortir de cela. Je vous assure, frères et sœurs, c'est quand je donne des conseils aux gens, c'est parce que je suis passé par des moments très difficiles de combat avec des démons, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et alors, pendant que je priais, je jeûnais, je priais, c'était toujours ça ma vie, en fait. C'est comme ça que je tenais. Puis, un jour, je sais pas si j'étais parti au cours, puis je suis rentré, mais toujours dans la prière. Et puis je me suis rentré dans la cuisine parce que j'avais une cuisine, effectivement, là où j'habitais. Puis il y avait un radiateur, là, juste derrière. Bon, je dormais pas dans le lit. Je me suis assis, simplement par terre, comme ça. Et j'ai appuyé mon dos sur le radiateur qui était derrière moi. Et tout d'un coup, c'est comme un petit sommeil qui me prend. Ah, j'avais toujours ce problème-là. C'est comme si on avait ouvert ici, mais je faisais tout, mais j'ai souffré énormément. Je priais, je souffrais énormément. De l'attaque de l'ennemi, en fait. Parce qu'il n'y avait rien qui empêchait Satan de pouvoir arriver à m'attaquer. Et alors, comme j'avais mon dos au silence, c'est quand même tout un petit assoupissement comme ça. Et puis, mes yeux se sont fermés. Je vois deux anges qui se dirigent vers moi et ils viennent. Et puis, il y en avait deux. Et puis, il y en a un qui avait encore plus d'autorité qui s'est avancé vers moi. J'étais comme ça, je le voyais avec mes yeux fermés. Il me dit exactement ceci. Nous sommes venus pour pouvoir t'apporter un bouclier. Alors, Dieu est bon. Moi, je ne savais pas que. Et si le diable veut trouver un moyen pour pouvoir couvrir, il va pouvoir me semer avec les pensées. Alors, l'ange me dit, nous sommes venus pour t'apporter un bouclier. Alors, il me dit, je crois que, oui, alors, il passe sa main sur moi comme ça. Il prend sa main, oui, il passe sa main sur mon front comme ça. Alors il me dit, comme ça, mot à mot, quand tu te seras réveillé. Donc il savait que j'étais endormi. Non, Dieu, c'est une grâce. Je serais un fou, moi. Je serais quelqu'un que vous n'aurez même pas pu connaître. C'est une grâce énorme. C'est Jésus que vous négligez, frère. Je ne sais pas si vous ne le connaissez pas. Et alors il me dit, quand tu te seras levé, alors fais-toi couper le cheveu. Dans mon témoignage, vous l'avez. Et puis, j'ai dit à l'ange, j'ai dit, mais je me suis déjà fait couper les cheveux. J'avais été fait couper les cheveux, mais il y avait encore une chose, qui restait là. Alors, avec une autorité, il me dit, quand tu te seras levé, fais-toi couper les cheveux. Alors, avec quand on te parle d'autorité, vous sentez que... J'ai dit, oui, là, je me suis levé. Et il y avait une sœur là. Telle fois, au moment où j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, prends la pas de décision, coupe-moi les cheveux. Il dit, oh. Tu te lèves comme ça. Mais c'est la vérité, frère, ça. Et tu te lèves comme ça, tu me dis, mais s'il te plaît, ne me pose aucune question. Prends, je ne sais pas où tu vas trouver la paire des ciseaux, mais je suis ici, viens me couper les cheveux. Rabar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 
à pouvoir vous désarçonner, pouvoir vous déplacer de l'endroit, des choses que Dieu vous a données pour vous donner quelque chose d'autre. Et ces choses d'autre, effectivement, lui donnent la possibilité, lui, de pouvoir avoir à nager avec vous, faire tout ce qu'il y a. C'est pour ça qu'il y a le fait qu'on appelle l'évangile social aussi. C'est ainsi qu'il faut que vous qui êtes des fils et des filles de Dieu, faites très attention. Des frères, des sœurs, des amis, même quand on parle, parce que vous savez, frères et sœurs, c'est un conseil que je vous donne, même aux frères, effectivement. Si ça me permet, je vais écrire cela. Mais vous savez, servir Dieu ou prêcher la parole de Dieu, ne faites jamais de bêtises. Ou vous prenez pour quelqu'un qui connaît ça, le diable va vraiment danser avec vous. Il est rusé. Quand un petit orgueil monte en vous que je vais faire, je vais ceci ou ceci, ne faites jamais une telle bêtise en se disant, ah non, je connais, ah non, j'ai l'onction, j'ai ceci, cela. Parce que tout ce qui est de Dieu, il faut que tu sois mort, complètement mort. Alors là, Dieu va t'utiliser. Parce que le diable, il a une ruse, il est malin, mon frère et ma soeur. Tu peux avoir quelque chose de bien de Dieu, mais tu vas détruire les autres. Pour quelle raison? Vous savez, il y a un frère qui m'a appelé tout à l'heure. Je ne vais pas citer son nom. D'ailleurs, il vous a salué aussi. Ce frère me dit, mais frère Léonard, c'est quand même extraordinaire. Il me dit, mais c'est quand même extraordinaire. Comment le Seigneur a agi avec toi? Tout à l'heure, agit avec toi et avec ton ministère et une ouverture comme ceci dans différents endroits. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas qu'avec cette expérience que tu as comme toi, Dieu te prend pour aller un peu plus loin et tout ça par rapport aux autres, qu'on puisse quand même faire un rassemblement, une réunion avec des hommes, des prédicateurs, que toi tu viennes pour pouvoir nous enseigner, pour qu'on apprenne comment servir Dieu de la bonne manière, parce que on voit cela, que c'est quelque chose que tu peux nous apporter, parce que avec tout ce que nous avons, avec les problèmes, mais on a besoin de cela. Alors je l'écoute, j'ai dit, mais, ah frère, j'ai dit, c'est bizarre quand même que, et toi quand même, tu as attaché, malgré que tu es loin, tu m'appelles toujours, tu as attaché, j'ai dit, mais, tu sais pourquoi toi tu me demandes cela? Parce que la plupart de ceux qui sont des frères qui tiennent la Bible, effectivement, ils ont tellement l'orgueil. C'est sûr et certain. Il n'y a aucun qui peut s'humilier pour pouvoir, il va pouvoir réaliser que non. Ces dons fonctionnent comme ça. Nous en avons besoin. On doit bénéficier ceci. J'ai dit, toi, tu m'en parles, effectivement. Il dit, mais c'est sûr et certain. On peut quand même se rassembler. Et puis, il dit, mais en fait, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Quand Dieu choisit quelqu'un, il lui donne un calibre. C'est pas l'homme qui dit, donne-moi un calibre pour que je sois différent. Non. Dieu choisit, mais c'est pour le bien des autres. Alors, si les frères pouvaient comprendre qu'il y a des ministères, parce que s'il y a des ministères, par exemple, comme les anciens dans les îles locales, effectivement, il y a des ministères, effectivement, qui sont le corps que Dieu a placé et qu'il utilise, effectivement, pour le corps de Christ. Et que nous qui sommes, effectivement, que nous voyons, ça c'est quand quelque chose de Dieu est en toi, il y a l'humilité, tu reconnais maintenant ce que Dieu est en train de faire au travers de tel dont on en a besoin. Mais je lui dis, mais le problème, c'est que tu vois, par exemple, même quand là où tu vis, effectivement, tu remarques toi-même que, effectivement, si on comprenait la chose, comme toi tu comprends la chose, mais les choses ne seraient pas ainsi. Le problème, c'est que on me déteste, on parle du mal de moi, on fait tout, effectivement, pour que les gens, on détruise, en fait, mon influence auprès de frères et sœurs. Ah ben, je dis, mais quand ils font ce travail-là, ben, c'est pas moi qui détruise. C'est eux-mêmes qui détruisent, effectivement. Je dis, mais s'ils pouvaient comprendre qu'effectivement, que c'est que Dieu donne, et pour eux, effectivement, j'ai donné un exemple à l'autre. J'ai dit, il y en avait des églises qui étaient attachées à nous ici. Des frères. Et comme étaient attachés à nous aussi, Dieu bénissait, vous êtes témoin, je crois que c'est Dieu bénissait, effectivement. Mais quand ils ont vu que, hein, ils montent, effectivement, ils se sont écartés, mais il n'y a plus de vie. Ils ont cru que les frères se prennent. Mais non, les frères ne se prennent pas. Mais c'est les dons, le ministère que Dieu a donné pour que le peuple de Dieu, tous ceux qui se sont accrochés dans tout le pays où je vais jusqu'à ces jours, Dieu continue à pouvoir agir. C'est pas moi, en fait. Mais c'est ce que je dis aux frères, j'ai dit, mais c'est ça le problème, en fait. Le problème qui tue les gens, c'est en fait, le diable est tellement rusé, il te dit, mais si frère Léonard peut le faire, toi tu peux le faire.
Moi, j'ai dit, mais tu peux pas faire ce que moi je fais. Je lui explique, j'ai dit, mais je suis parti ici au Mexique. Parce qu'il me disait, mais frère, faut que tu puisses peut-être partir aussi dans tel pays, là, peut-être longtemps, pour envoyer l'invitation. J'ai dit, non, frère, moi, je peux pas partir n'importe où comme je veux. J'ai dit, je vais t'expliquer. Je suis parti au Mexique. Dieu a agi puissamment. Et puis, ils m'ont encore invité pour que je puisse maintenant prêcher maintenant au prédicateur. Je suis parti là-bas. Je prêchais. Le Seigneur a vraiment agi de manière parfaite, extraordinaire. Et les diables s'est dressé contre moi. La nuit, quand je suis allé dormir, effectivement, après que les réunions des prédicateurs sont terminées, la nuit, quand je suis allé dormir, effectivement, les diables, il était vraiment géant, grand, oui, est venu pour pouvoir me tuer, effectivement. Ah oui, et vraiment, c'est la grâce de Dieu, avec la grâce que Dieu m'a donnée, la puissance de Dieu, effectivement, c'est comme ça que j'ai terrassé ces démons. Et quand je l'ai terrassé, vraiment terrassé, immense, hein, il me dit, je reviendrai le jeudi. J'ai dit au frère. Il dit, non, c'est vrai. Je reviendrai le jeudi. Alors puis je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que. J'ai dit, moi, on me parle, il me dit, je reviens le jeudi. Je commence à me dire, mais quoi, c'est la fin, je ne sais pas quoi. Je ne savais même pas que le jeudi, c'était le jour de mon retour. Oui. Alors je disais au frère, j'ai dit, tu vois, frère, quand je suis allé à l'aéroport, même pour prendre mon avion allègrement, tout ça, avec mes bagages, chose qui était naturelle, non, on me bloque, il y a des problèmes. Déjà, ça commence avec mes bagages. J'ai dit, c'est pas normal. On m'a fait faire des tours par-ci, par-là, j'avais tout. Par-ci, par-là, effectivement. Et puis maintenant, je lui dis, écoute, maintenant, quand je devais monter dans l'avion, on est monté dans l'avion. Parce que c'est devenu. Vous pouvez demander à mon bébé qui est là-bas derrière, et puis vous le dire. Ils ont regardé mon avion. J'étais dans l'avion, hein. Ils ont dit, mais l'avion de papa, c'est pas possible. Mon avion faisait comme ça. Oui, il faisait des tours, effectivement, et puis des couloirs qu'il fallait prendre, il fallait prendre les couloirs. Et oui, parce qu'il suivait, en fait, les voyages. Et dans l'avion, il nous disait que nous avons un problème. Les commandants de bord disent que nous avons un problème dans l'avion. Vous ne voulez pas dire, en fait, en gros, en général, ce qu'il y a dedans. Mais moi, je savais que c'est les démons qui me combattaient. Oui, parce que tout ce qu'ils cherchaient, c'est de faire tomber l'avion. Moi, j'ai dit, mais si Dieu n'était pas avec moi quand j'étais parti là-bas, vous pensez qu'il va pour pouvoir manger tout ça? Il dit non, c'est la vie de quelqu'un. Et les démons secouent l'avion. Oui, il a secoué. Quand je suis arrivé à atterrir, effectivement, aussi à Istanbul, gloire à Dieu, l'avion atterrit dans la difficulté. On a quand même atterri, parce qu'on tournait dans le monde. Puis quand j'ai repris les deuxièmes, la même chose, pour atterrir ici à Bruxelles. Mais on était dans l'air, effectivement. Ils ont fait, mais c'est pas possible. Comment? Moi, j'étais tranquille, effectivement. J'ai dit, je sais qu'ils cherchent à pouvoir me détruire. Mais vous m'avez vu arriver. J'ai dit, c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Je veux que cette année, si vous comprenez ça, c'est ça que moi, je ne cherche rien, ni pas à s'élever ou bien à me comparer, mais j'ai une responsabilité. C'est de prêcher. Vous savez, un ministère apostolique, ça sert à quoi, en fait? C'est de mettre l'église en ordre. Amen. Et quand la parole est erronée, ou quelqu'un prêche que je l'ai erronée, effectivement, c'est pas que je vais corriger. Vous sentez en vous quelque chose qui se dresse, même si vous voulez pas penser, dit, mais, alors corrige la chose. C'est pour ça que vous m'avez mis, peut-être, écrit, effectivement, ceci. Les gens n'ont pas compris, dit, mais, il est toujours contre. Moi, j'ai jamais été contre quelqu'un. Mais c'est parce que c'est lui qui est en moi, qu'eux ne voient pas, mais il te dit, lève-toi, et ça, il te demande ça. Mais c'est 100% vrai ce que je vous dis. Chez moi, à la maison, je m'assieds, je m'arrive, il descend là, la présence de Dieu, je dois me mettre à genoux, je ne sais même pas relever. C'est la vérité, frères et sœurs. Je ne suis pas quelqu'un qui est assis là, concevoir des choses. Non! C'est une grande responsabilité que j'ai de pouvoir réellement. C'est pour ça que Dieu ouvre les portes dans le monde. Comme je disais aux frères, j'ai dit, vous me voyez ici. Les autres se battent d'abord, on doit téléphoner pour arriver à pouvoir à demander qu'on m'invite là-bas ou même pour arranger les réunions ici, assis, que ce soit en Asie. Même je n'ai jamais appelé. C'est le Seigneur qui s'occupe de ce ministère. Lui-même, il va toucher les cœurs des gens en Asie, en Thaïlande. Vous savez, je vous ai dit, quand je suis vraiment Thaïlande, ce sont les autorités thaïlandaises qui m'ont. Et c'est vrai cela. Qui m'ont reçu, j'ai des réunions avec des autorités de ma. Oui, des hommes là-bas, oui. Un frère me dit, mais frère, c'est pas possible. Mais qui es-tu, évidemment? Moi, je disais absolument rien. Mais c'est la vérité, Bible. Il me dit, mais qui es-tu? Mais ton ministère, mais qui es-tu? Dis-nous, vraiment, qui es-tu? Je suis votre frère. Non, parce qu'il voyait l'impact de cela, effectivement, aussi.
C'est pour ça que dans la plupart des gens qui sont extérieurs ici dans un endroit, ils ont beaucoup de respect et de considération, effectivement, dans cela. Mais les diables le cherchent toujours, comme nous revenons à l'image. Et donc, je termine. Dis donc, il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. C'est à cela, mon frère. Ne t'écarte jamais de ce que Dieu a eu à placer vraiment en toi. Parce que c'est important. Ce n'est pas qu'un homme a placé en toi. Non. Toi, Dieu a placé. Si aujourd'hui, ce que je disais en fait, mais si tu arrives à m'aimer, c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu au-dedans de toi. Et puis, c'est pas moi que tu aimes. C'est la chose que Dieu a placée en moi qui correspond à ce qu'il y a en toi. C'est pour ça que tu m'apprécies. Tout le monde m'apprécie pas. C'est vrai, c'est la vérité. On peut pas, c'est pas pour dire, je me dis, mais je le sais, frère, ça. Je le sais, c'est 100% vrai. Qu'il est difficile d'aimer quelqu'un comme moi à cause de ma position. Tantôt, je peux être bon avec vous. Mais quand vous ne marchez pas avec la parole de Dieu, ben, que ce soit enfant ou maman ou femme et tout ça, ça passe pas. Donc, vous ne pouvez pas supporter quelqu'un comme ça. Vous supporterez quelqu'un qui, même quand vous faites n'importe comment, il est doux avec vous, il passe un autre. Moi, je ne peux pas. Je suis un homme. Hein. Je veux aussi faire cela. Mais quelque chose vous bloque. c'est parce que quelque chose est au-dedans de vous. C'est pour ça que vous pouvez vous accrocher effectivement à cela. Effectivement, parce que, et ça, c'est que je crois que nous l'avons eu à pouvoir l'entendre. Le Seigneur l'a dit. Ils seront tous enseignés. N'oubliez jamais cela. Pas enseigner de moi ou d'un prophète ou de ceci. Non, c'est là le privilège que nous avons, que vous avez. Amen. Et oui, c'est là que beaucoup ne vont pas vous comprendre aussi. Il dit comment ils sont maintenant? Parce que vous savez, cette semence que Dieu a placée en vous, effectivement, c'est lui qui le réveille en fait. Et c'est lui qui vous montre effectivement qui vous êtes. Moi, pas moi, mais qui vous êtes. Donc c'est lui qui a reçu l'enseignement, qui a entendu l'enseignement de mon Père. Il vient donc à moi. C'est-à-dire que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout le monde, j'aime Jésus. Vous ne l'aimez pas, on n'aime pas. Enfin, les gens n'aiment pas Jésus en fait. Parce que pour l'aimer, il faut qu'effectivement qu'au-dedans de toi, il y ait déjà Christ en fait avant même que... Mais c'est vrai. Lui, nous étions ce que la Bible nous fait comprendre. Que ce que vous avez donc entendu dès les commencements, que dit non, demeure donc. Alors je prie Dieu pour que cela soit ainsi, mon frère. Et je remercie Dieu parce qu'il y a quelque chose de Dieu en vous. Alors si la chose de Dieu est en vous, je ne pense pas que vous ayez à gauche et à droite. Parce que vous ne pouvez jamais mélanger ce qui est pur de ce qui est impur. C'est pour ça qu'il a dit que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est écrit dans la Sainte Écriture. Et c'est ça ce que le Seigneur, effectivement, cherche, désire et veut obtenir, en fait, de chacun de nous. Mon frère et ma soeur, il n'y a personne qui doit arriver à pouvoir se sentir effectivement être exclu de Dieu et qui n'est pas aimé de Dieu. Non, sœur, non, mon frère. Malgré les erreurs, les trébuchements que tu fais, l'amour de Dieu est aussi pour toi. Que Satan ne te trompe pas. Dieu, notre Seigneur, n'est pas un Dieu de haine. Non, 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 non. Son nom est amour, en fait. Et c'est comme cela qu'il est jusqu'aujourd'hui. Vous savez, vous connaissez un tout petit peu aussi, mais vous savez, c'est cette écriture, cette écriture-là qui a toujours touché mon cœur jusqu'à Dieu. Vous savez, non? La femme surprise en flagrant délit d'adultère. Moi ici, je l'aurais condamné. Bien sûr, on ne peut pas dire, ah non, 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 mon frère, tous condamnés. Et je disais même, l'Écriture l'a condamné. Non, Dieu est vraiment, non, Jésus, mon frère, il est merveilleux. Je le répéterai toute ma vie, peu importe ce que les gens peuvent penser de moi, mais c'est ça qui marque, qui m'a marqué, qui continue à marquer dans moi. J'ai dit, c'est extraordinaire. Quand même, il n'y a rien qui peut te montrer que tu peux être sauvé. Alors, sœur, mon frère,
ne te décourage pas en disant que moi, je n'arriverai pas. Tu vas y arriver. Parce que l'amour et la grâce de Dieu sont encore là. Parce qu'il dit, la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est pour ça que l'amour de ces Jésus, le nôtre, de la Bible, t'appelle encore toujours. Même quand tu as trébuché, lorsque tu as été dans le bas-fond, tu as eu à pouvoir faire n'importe quoi. Et là, quand je regarde Vladimir, j'ai loué Dieu. Non, c'est un témoignage, en fait. Pour toi, mon frère, et pour toi, ma soeur, Vladimir a été dans le bas-fond. Il a fouillé dans le bas-fond. Il a été même dans la drogue, dans tout ça. Oui, c'était. Mais que Dieu bénisse Fanny. Malgré que Vlad, non, tu sais comment j'étais à mon dit. Malgré qu'il a, non, c'est la joie pour mon cœur, pour sa main. Malgré qu'il a plongé, qu'il était là, sa femme était toujours là. Amen. La mère de ses enfants. Amen. Toi, tu dois beaucoup à Fanny. Oui, Fanny toujours là, accrochée effectivement. Mais c'est prenant pas beaucoup, mais c'était quand même pas facile, mais et s'y accrocher. Sa maman aussi derrière, ma fille, ne baisse pas les bras, que Dieu te bénisse, ma soeur. Le diable disait, mais il est irrécupérable. Aujourd'hui, voici que Dieu l'a récupéré. Alléluia! Dieu est bon, mon frère. Alors, mon frère et ma soeur, prends courage. Dans ta situation, prends courage. Le Seigneur ne t'a pas rejeté, mais il te rappelle à lui. Viens, viens. Parce que la force lui vient de lui, effectivement, aussi. Le pardon est à lui, effectivement, Dieu. Tu n'es pas trop tard. Ses bras sont toujours ouverts. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux, Sauveur béni, un maître. C'est vraiment un bonheur, une grâce extraordinaire de pouvoir réellement t'appartenir et te servir. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Tu fais des choses extraordinaires qui dépassent même l'entendement et même l'imagination de l'être humain, mon Sauveur. Oui, je te loue de tout mon cœur pour ta bonté. Je te loue de tout mon cœur pour ta grâce et tes compassions encore, mon Seigneur Dieu. Pour la merveille, oh Dieu, nous te servirons encore moi dans ma vie, Seigneur. Je te remercie parce que tu m'as ramassé, Sauveur béni, dans les déchets où j'agissais, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu m'as vraiment délivré alors que j'étais un homme possédé, l'homme qui était vraiment destiné à la destruction, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, gissant dans le bourbier du péché. C'est pour ça que je te remercie quand je vois ce que tu fais au travers de mon frère et de ma soeur, les efforts que chacun fait, Seigneur Jésus. Aide-nous à pouvoir nous encourager, à pouvoir nous aider encore davantage, mon roi. Tu es vraiment un père, tu es vraiment un sauveur, tu es vraiment un gardien, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Cette année, aide-nous encore davantage, mon roi, à t'expérimenter encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à vivre dans l'humilité, dans cette simplicité, mon roi. Que tu ouvres encore davantage les portes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que ta parole soit prêchée de par le monde entier, mon roi. Que ton peuple entende, Père Tubissant, qu'on suscite encore des âmes, Père Tubissant, pour prêcher ta parole à toi. Nous avons besoin de vrais frères, de frères qui se tiennent dans la vérité, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et dans laquelle tu as vraiment façonné, travaillé, fait passer dans ton moule à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oui, Père Saint-Dieu, pour pouvoir réellement proclamer l'évangile du royaume, mon Sauveur. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci encore pour ta bonté, mon roi. Nous voulons mourir davantage et vivre pour toi. Tu es notre lumière, mon roi. Merci, comme tu l'as dit aussi, Père Saint-Dieu, pour nous. Tu as vraiment ouvert une porte, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que nous puissions vraiment te servir encore avec beaucoup de zèle. Bénis mes frères et sœurs encore, mon Seigneur, nous avons besoin toujours de tes bénédictions et tu as entendu les requêtes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, les désirs profonds de notre frère, de notre sœur, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour les membres de sa famille, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, agis, aide-nous encore et soutiens, mon bien-aimé Père Saint-Dieu.
Nous savons que tu fais, nous savons que tu agis et nous sommes vraiment très heureux, mon bénévole Père. Merci de nous avoir vraiment guéri aussi, rétabli et fortifié encore davantage. Nous partons avec la division et la détermination ferme, mon roi, avec un bonheur uni, mon bénévole Père Saint-Dieu, pour ta bonté à toi, pour les merveilles que tu sais d'accomplir encore parmi nous, Père. Nous nous réjouissons de ta grande bonté, Seigneur Jésus. Merci pour chaque frère que tu nous as donné. Merci aussi pour chaque soeur que tu nous as donné. Merci aussi pour les dons que tu as placés dans cette assemblée, mon bénévole Père Saint-Dieu, qui sont bénéfiques, mon bénévole Père Saint-Dieu. Seigneur, puisses-tu encore nous aider encore à ce que les canaux soient davantage nettoyés, récurés, Père Saint-Dieu, en fait, car nous te donnons, oh Jésus, mon roi, tu es le Dieu très haut. Élevé dans les Père Saint Dieu, dans les hauteurs, mon bénévole Père Saint, gloire à toi encore aujourd'hui, mon Seigneur, pour ta bonté, Seigneur Jésus. Nous voulons t'adorer, Père Saint Dieu, comme tu le veux. Les vrais adorateurs, mon bénévole Père Saint, que ta vérité soit à nous, Père Saint Dieu, que ta parole à toi, ta lumière, mon bénévole Père Saint Dieu, que ton esprit, mon corps, saisit encore, Père Saint Dieu, nous remplisse encore davantage. Nous voulons vraiment te servir, mon roi. Oh Dieu, tu es celui qui déchasse les fardeaux de nos épaules, mon bénévole Père Saint Dieu, pour que nous puissions voir vraiment vivre pour toi et te servir, mon roi. Oh, envoie le réveil, mon bénévole Père Saint-Dieu. Agis encore davantage, mon roi. Nous sommes heureux d'être à toi, Seigneur. Bénis ton peuple, mon bénévole Père Saint-Dieu, sur le chemin de retour. Que ta bénédiction leur soit accordée, mon bénévole Père Saint-Dieu, et le soutien et le secours, mon roi. Nous sommes un peuple qui t'appartient. Nous nous réjouissons de ta grande beauté, de tes merveilles encore, mon bénévole Père Saint-Dieu. Merci pour la chorale. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour tout, Père. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père Saint-Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci, Sauveur. Gloire à toi. La grâce coule du Golgotha. La grâce coule.